Légende là. Allez les amis, étant donné la petite nouveauté sur FIFA, étant donné que j'ai joué entre 51 et 100 jours, j'ai un joueur hors prime à ouvrir. 12 éléments hors, dont 6 rares. Allez, on va essayer de clôturer cette vidéo en beauté. Oh, Navas 87. Pas mal. Quelle heure Navas, on est pas mal. Et pour le reste, le reste c'est plutôt pourri, ouais. Donc voilà, maintenant, étant donné qu'on est avec les potos, hein, Fabinho et Axel, je vais regarder ce qu'ils ont comme petit pack sympa et je vous dirai ça en commentaire sous la vidéo. Allez, bon visionnage, ciao ciao! Yo les potos, dernière ouverture de pack, on a fait une petite semaine, on n'a pas été forcément présent sur la console, donc j'ai eu deux petites récompenses, vraiment vite fait, bien fait. Deux packs Jumbo Or Premium, 24 cartes en or, dont 7 rares. Donc on va ouvrir ça ensemble pour conclure la vidéo. Et dans le premier pack, on a Sako. Donc c'est plutôt pas mal justement, étant donné que je fais une équipe spéciale Première Ligue anglaise. Pour le reste, bon, pas folichon, hein, Andreas Pereira de Manu, voilà, Chiesa de la Fiorentina. Donc voilà, c'est toutes des petits joueurs qui... coucou toi. On a Madame Beta, donc qui est cardiologue. Ça nous permettra peut-être d'améliorer un ou l'autre joueur. Et pour le reste, voilà, pas fort terrible. On a quelques bons petits contrats qui sont sympas. Donc ça peut être cool. On a le drapeau du Pérou. Super, chose hyper secondaire. Quoi. On n'en a vraiment pas besoin. Et on a tout de même 1500 crédits de foot. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, on va tout stocker dans le club et on fera le petit tri, hop, voilà, hors enregistrement, et on va retourner donc dans la boutique pour ouvrir l'autre pack. Allez Kevin, porte-nous chance, et c'est de la merde, hein, on va le dire concrètement. On a Keseido, donc rien d'extraordinaire. On a Carlos Bacca par contre, qui est pas trop mal pour un buteur, 82, bon ben, pour le reste c'est, voilà, hein. Heureusement qu'on n'a pas encore fait du lourd cette semaine, parce que sinon on aurait perdu énormément de temps pour rien. Et sympa là, la petite dédicace, on a gagné le maillot extérieur d'Anderlecht en couleur saumon comme ça. Donc plutôt sympa, et évidemment pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je suis supporter d'Anderlecht dans le championnat belge, donc c'est plutôt cool. Donc voilà les potos, pas grand chose, on a quand même l'Allianz Arena du Bayern de Munich, on a San Siro de l'AC Milan, donc on a eu deux chouettes petits stades aussi, mais c'est surtout au niveau des joueurs que ça devait être intéressant et qu'on n'a pas eu grand chose. Donc voilà, j'espère que de votre côté les ouvertures de packs se sont bien passées, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao !